Bah alors, Manu, t'es fatigué? Ça glace d'homme. Thank you.
Résultat, j'ai pas tout mangé ça parce que mon ventre était plein. Mais par contre, ça, j'ai tout dégommé. Ouh, c'était bon. Il y a un monsieur qui pêche là-bas. Et là-bas, il y a des cygnes. Depuis qu'on habite là, on n'était jamais passé par là. Ouais, sauf toi avec ton père. Quand il venait te chercher à pied ou à vélo. On s'approche pas. Là-bas, il y a des bancs qui sont chauds. C'est même pas profond, hein. On voit le sol. Juste derrière chez moi, sur la berge, nous avons ça. Donc on pourrait penser que c'est tout ville, ville, ville. Ben non. Il y a aussi des immeubles comme ça. Et moi, j'habite quelque part par là-bas. Mais c'est bien. C'est nice. C'est trop bien, c'est calme et tout. Coucou Aaron. Coucou maman. Ça va mon bébé? Oui. Tu vas faire le toboggan? C'est un nouveau jeu qui est derrière chez nous, c'est trop bien. Enfin, il n'est pas si nouveau que ça, mais c'est que maintenant qu'on voit. Lui, avec les cailloux, c'est pas possible. Fais pas trop fort, il va passer par-dessus. Qu'est-ce qu'on fait à Sephora? Qu'est-ce qu'on fait à Ron? Petite. Tu veux une glace comme ça, une simple? Non, petite. Oui, la petite, oui. Comment? À la vanille fraise. Tu veux quel parfum? Regardez. Vanille fraise, s'il vous plaît. Ok. Aussi, dans ça. Tu veux une petite ou tu veux une... Ah, tu m'en prends comme ça. Lui, ce sera en simple, mais toi, tu veux quelle? En deux, il faut le dire à la dame. Pardon. Elle peut pas lire dans tes pensées, hein. Du coup, c'est tout? Oui. Oui. Oui, oui, tu auras aussi. Il y a des bons goûts, là, regarde. Oh, la funky bleue donne envie. Ouais. Mais moi, j'ai fait vanille fraise. Aaron, ça va? Bébé? Waouh. Oh, non, voilà. Non, ensemble, s'il vous plaît. Oui. La même chose pour lui, s'il vous plaît. S'il n'a pas la même couleur, il va se fâcher. Waouh. Oui, c'est pour Aaron celle-là. Tu attrapes? Merci beaucoup. C'est tombé de ta bouche. Merci beaucoup. C'est froid. C'est froid, oui, c'est la glace. C'est bon. A few moments later. Hello les Frenchies. Aujourd'hui, je suis partie chercher le pique-nique de Sephora parce que demain, jeudi, elle a pique-nique avec l'école. Elle va aller au château. Du coup, je lui ai pris ça parce que la maîtresse a demandé des sandwichs et rien d'autre. Sandwich, pas de plat préparé, tout blabla. Donc, sandwich. Avec ça, Sephora a choisi, elle a demandé à avoir absolument un onigiri comme ça. Et en dessert, Sephora a pris une salade de fruits comme ça. Et en boisson, bah, elle aura sa gourde avec de l'eau. Et rien d'autre, elle n'a pas le droit au chocolat, elle n'a pas le droit aux bonbons. Donc un pique-nique basique. Avec ça, elle aura un petit paquet de chips. Ouais. Voilà. Donc ça va être ça son pique-nique avec un paquet de chips... On a quoi? C'est Vico à l'ancienne. Du coup, ça, voilà, son repas. Avec ça, j'ai été prendre des fruits parce que j'avais envie de manger ces fruits-là, tout simplement. Donc, j'ai été prendre des nashis, là.
des pommes chinoises en gros. Ça a plus le goût de la poire, mais bon. Et en plus de ça, Aaron a montré qu'il voulait ça. Donc, nous avons pris ça. Nous avons pris 2 grappes de raisin en plus. Comme ça. Yes! Sephora, elle s'est plaint des moucherons, des moustiques qui rentraient dans sa chambre parce qu'elle avait laissé la lumière allumée dans sa chambre la nuit et qu'elle avait laissé les fenêtres ouvertes alors qu'elle ne dormait même pas dans cette pièce-là. Je sais pas pourquoi, elle a cru qu'on était à Versailles. Bref. Du coup, je suis partie à Action. Ça, c'était 1€ le paquet. Alors ça, c'est pour la chambre d'Aaron, la chambre de Sephora et ma chambre. Comme ça, le soir, on peut mettre ça sans craindre l'invasion des bébêtes. En plus de ça, j'ai vu qu'il y avait ça. J'avais jamais remarqué qu'Action faisait du lave-vaisselle, du liquide vaisselle comme ça. Là. Comme les petits sprays que j'avais déjà achetés, regarde. J'ai les sprays spécial cuisine et j'ai le spray all purpose comme ça. Et il y a le bleu de la douche. Et le bleu de la douche, bah, il a la douche. Ouais. Donc là, j'ai vu qu'il faisait liquide vaisselle et il en restait 4 dans le rayon. Donc sur toute l'étagère, il en restait 4. Du coup, j'en ai pris 2 parce que je prends toujours les sachets par 2. Bah voilà. Et puis on a pris des boissons, mais on les a dégommées. Alors Sephora, elle avait pris une canette de Arizona pêche. Ouais, et moi je me suis pris la bout de la canette, la grande canette bleue avec des fleurs de cerisier rose dessus. Et Aaron a pris ça. Ouais. Bah voilà, c'est tout. Et on crève de chaud. Donc voilà. Ça y est, mon colis est arrivé. Il devait arriver normalement le 5. Et finalement, il arrive aujourd'hui jeudi 8. Beaucoup de retard. Mais ça y est, j'ai mon ventilateur qui est là. Je l'assemble et je vous montre comment il est. Apparemment, je me suis rendu compte que comme une débile, je me suis trompée. Hein, ce n'est pas un ventilateur boulanger que j'avais pris l'année dernière. T'as vu, regarde, c'est exactement le même modèle. Sauf que l'année dernière, j'avais pris un ventilateur Key Live. Ça, la même, la marque de Auchan. Et c'est un ventilateur télécommandé avec le rond qui était 2 fois plus gros que ça. Les pales qui étaient 2 fois plus grosses que ça. Et toujours pour le même prix. Du coup, dès que ce sera disponible cette année, parce que normalement ce sera disponible que à partir du 21 juin. Du coup, quand ce sera disponible à Auchan, j'irai le chercher. Et celui-là, je le donnerai à Sephora pour qu'elle mette dans sa chambre. Mais pour l'instant, ça peut faire l'affaire. Je viens de reprendre mon sport en extérieur, mon gars. J'ai rangé mon tapis de course parce que je me suis rendu compte que j'étais pas motivée à faire du tapis de course, tout simplement. Ça fait une semaine que j'ai repris mon sport dehors. J'ai trouvé un chemin assez sympatoche juste derrière chez moi. J'étais pas au courant. Là, je l'ai repris, mais mon gars, ça fait une semaine que je crache mes poumons, que je sors toute la saleté qui est dans mes poumons. Et déjà, là, je me sens un petit peu mieux. Je me sens mieux. Comme quoi, acheter des nouveaux vêtements de sport, ça aide. Regarde-moi ça, comment j'ai bronzé. T'as vu? T'as vu ça? Acheter des nouvelles tenues de sport, ça motive. Donc, je vais faire ça. Chaque mois, je vais me prendre un nouveau pantalon. C'est Chine, c'est pas cher, c'est 10€. Un nouveau pantalon et une nouvelle brassière pour garder la motivation. Ça fait une semaine que je crache mes poumons à chaque fois que je finis mon sport, que je fais mes 5 km. Ouais, c'est 5 km que je fais chaque jour. J'ai décidé de reprendre fort 5 km chaque jour. Je rentre, je suis en sueur totale. Regarde-moi ça. Regarde ça, regarde ça. Tu vois ça là? Ça. Ça là. Là. Je suis poisseuse. Mais c'est de la bonne poisse. T'as vu? Je crève de chaud, littéralement. Je suis en nage. Oh! Je viens de rentrer, là j'étais à Grand Frais. J'ai été prendre du bread et j'ai bien fait d'aller prendre mon bread à Asia Market. Parce qu'à Grand Frais il n'y en avait pas. Du coup j'ai pris 2. C'était 7,99€ le kilo. J'ai pris une mixture de foufou parce que je vais faire une vidéo avec du foufou et de la sauce graine. J'ai pris des bananes plantains. Je vais les faire bouillir, comme ça j'en aurai aussi avec ma sauce graine. D'ailleurs, je pourrais faire à loco banane, mais j'ai pas envie de faire à loco. J'ai pas envie de frire, en fait. J'ai pas envie de frire. J'ai pris une boisson, là, au raisin blanc, pour boire avec dans ma vidéo. 2 paquets de nouilles, comme ça, 2 paquets de faux, parce que je les adore, ceux-là. Ce sont les meilleurs faux. Oh, putain, j'ai chaud. Rentré, j'ai pris un melon, comme ça. 3 caramboles, c'était 1,99€ pièce. Franchement, ça fait cher, hein.
sachant que j'en avais dans la cour, donc c'est cher. J'ai pris des nectarines à chair blanche, j'en ai pas pris beaucoup parce que j'ai pas envie que ça pourrisse en fait. Je prends les fruits au jour le jour en fonction de comment les enfants mangent pour éviter que ça pourrisse. Pour éviter que ça pourrisse, là comme ça. Oh, je suis en sueur là, mon gars. Et pour terminer, j'ai pris deux mangues de Côte d'Ivoire. Je les ai prises parce qu'elles sont bien molles et elles ont l'air bien sucrées. Je les ai senties, elles ont l'air bien sucrées. Donc voilà, deux mangues de Côte d'Ivoire. Coucou! Hein, t'as pas peur, c'est bon? Ok. Coucou Sephora! Coucou Aaron! Oui! Oui! Hello les Frenchies. Aujourd'hui, j'ai reçu le reste de ma commande chine. Parce que comme vous avez vu, dans la chambre de Sephora, avec ce que j'ai pu acheter, j'ai pu faire seulement un bout du mur que je voulais. Et il me manquait encore deux morceaux pour... Un bout, ouais. Il me manquait encore deux morceaux de ça, là, pour terminer le mur. Donc j'ai pris... Il manquait juste deux, hein. Mais pour être sûr, j'en ai pris trois en plus. Donc ça me fait 5 rouleaux. C'était pas cher, c'était 2,50€ le rouleau. Voilà. J'ai pris des grattoirs à marmite comme ça en bas, là. Ça évite de rayer. On va tester ça, hein. J'ai pris... Ah! Ça, c'est une bouteille. Tu mets ta sauce dedans, genre mayonnaise ou ketchup. Il n'y aura pas ketchup ici. Mais tu mets ta sauce mayonnaise algérienne ou andalouse. Et quand tu fais ton sandwich, tu fais ça. Et il y a plusieurs trous là. Du coup, ça fait comme au restaurant. Et pour mettre aussi sur les hot dogs, c'est super bien. J'ai pris une grille à tacos. Un véritable tacos, pas les tacos français là. Pour quand je fais mes vidéos, moi je peux mettre 1, 2, 3, 4 tacos posés comme ça au lieu d'avoir des tacos, ils sont... Et après ils sont tout ratatinés. Tacos. J'ai pris par erreur des baguettes pour Aaron, mais c'est venu en rose parce que j'ai c'est écrit A, B, C, D. Et en regardant sur les images, j'ai vu bleu, rose, j'ai pris le C. Et le C, c'était rose. Alors que sur l'image, le troisième, c'était le bleu. Bref, c'est pas grave. Il va apprendre à utiliser les baguettes. Et puis j'achèterai les bleus plus tard. C'est juste une couleur, hein. On s'en fout. J'ai pris... Ah, c'est petit comme ça. C'est un panier vapeur pour faire les trucs vapeur dans la maison. Enfin, dans la maison, dans la marmite. Un panier vapeur, mais c'est petit comme ça, je pensais que c'était gros, moi. Ah, si, c'est gros. Bah, ah, j'ai... Moi aussi, je me suis dit, c'est grave. C'est tout petit, je pensais que c'était tout petit, mais non, c'est bien. Regarde. Ouais, on dirait que c'est petit quand c'est comme ça, je me disais, ouais, c'est petit. Mais en fait, non. Donc là, tu mets tous tes trucs, tes bouchons, parce que j'ai prévu de mettre des bouchons dedans, ouais, forcément. Donc des bouchons, n'importe quoi, tout ce que tu veux mettre vapeur. Même de la viande, hein. Même des légumes, vapeur. Voilà, et il y a ça. Je sais pas, c'est quoi ça, je sais pas. Avec ça, j'ai pris une grille comme ça. C'est pour mettre la viande quand tu la cuis. Ou n'importe quoi, genre les tempura, tout ce qu'on fait frire en fait. Quand tu finis de faire à manger, tu mets une feuille absorbante en bas ou un papier sulfurisé en bas sur la table. Tu poses ça. Tu fais frire quelque chose et après tu le poses dessus. Et tout l'huile dégoutte, enfin coule tout seul. Et ça évite d'avoir de la viande ou des trucs frits pleins d'huile. Comme ça, ça a le temps de refroidir un peu et l'huile de sortir. Et pour finir, vous êtes nombreuses à m'avoir dit que
Les maquillages de chez... C'est bon, il y a plus rien. Les maquillages de chez Shein, les maquillages de chez Shein sont super top. Du coup, j'en ai pris 4 pour tester. On va voir ce que ça donne. Alors, pour commencer, je vous montre celui-là. Celui-là, c'est quoi? Stick à lèvres repulpant pour... Stick à lèvres repulpant. J'ai pas besoin d'avoir les lèvres repulpées, mais... Je vais tester. Oh, ça limite maintenant. Ah, regarde déjà comment c'est la couleur. T'as vu comment c'est? Et j'ai pris la couleur Sepia Kiss. Waouh, regarde-moi ça. Tu ouvres. Enfin, comment ça monte? Ah, c'est que tu appuies en bas et ça monte. Là, c'est du plastique, mais la couleur qui est le plastique, là, c'est la couleur qui est dedans. Et quand tu appuies, ça monte, regarde. Ah, il monte en deux temps, par contre. Hein. Tu vois comment il monte, là? Il monte de plus en plus. On le voit par rapport au plastique qui est autour. Alors que j'essaye. Il est magnifique. Ah. Je le kiffe. Je le kiffe. Je crois que je vais l'acheter en d'autres couleurs. Regarde comment il est beau. Dis en commentaire si tu aimes bien cette couleur là. Il est magnifique. Hein. J'aime bien la texture. Oh, il est super beau. Ensuite nous avons ça. C'est un rouge à lèvres. On va voir. Passe-moi une lingette là-bas, s'il te plaît. Oh, regarde. Alors, il est magnifique aussi, lui. La couleur, elle est là. Wake up call. Oh! J'ai dû tourner. Ce n'est pas un rouge à lèvres qu'on tire comme ça, c'est un rouge à lèvres qu'on tourne. Comme Sephora me l'a très bien dit. Regarde comment elle est. Et ce n'est pas un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres gloss. Alors que j'avance et que je vous montre. Allez, focus-toi. Par contre, il a un sale goût. Hein. En vrai, tu veux goûter. J'ai pas fait exprès. Ah. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de celui-là. Ouais, je préfère le premier quand même. Ouh. Que je l'efface, attends. Maintenant, l'autre que je vais tester, c'est un anti-cerne couvrance totale. Je peux même pas l'essayer, bah, je vais l'essayer sur ma main. Je peux pas essayer sur mon visage. Apparemment, c'est un anti-cerne tellement bien qu'il est bien pour effacer juste les taches et juste pour retoucher quoi. C'est comme ça.
C'est un anti-cerne, mais à utiliser aussi en couvrance de taches. Par exemple, là, j'ai une tache ici. Si je mets ça, et qu'ensuite... Est-ce que ça couvre bien? Ouais, vite fait. Hein. Ou alors je l'ai mal appliqué. J'essaierai sur mon visage après quand je vais enlever mon fond de teint. Et le dernier, c'est quoi? C'est un blush liquide. Ok, on va tester. C'est vrai que je l'avais commandé parce que mon blush préféré, il était fini. Je vais tester ça. J'ai pris la couleur rose Ritual. Rituel rose, quoi. Alors que j'essaye ça. Déjà, il est tout mignon. Regarde le packaging, comment il est beau. Oh là là. Alors que j'essaye sur mes joues, là. Voilà. Oh, regarde-moi ça. Regarde. Regarde. Moi aussi. Enlève ton doigt. Alors. Faut pas mettre beaucoup, hein. Oh, j'ai peur d'en avoir trop mis. Ça va, ça va. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais tester, ce que je voulais vous montrer.